Là, l'objectif, c'est de battre le pic du divin chauve. Donc, de battre le Jax, de battre le Yasuo, de battre le Xin. Ils ont le combo qui est horrible. Hein. Oh, s'ils commencent à nous rentrer dans. En fait, s'ils commencent à être devant, on peut plus rien faire. C'est très simple. S'ils commencent à être devant, la game est perdue. La game est perdue. J'ai réalisé qu'il va rentrer dans le tas. T'as Jax, il va rentrer dans le tas. Et c'est bon. Ouais, ça le problème. C'est qu'il a dû envoyer un message à mon autre compte. Et du coup, bah, il s'est fait bait. Il s'est fait bait. Je déteste, j'allais lui dire justement t'as quel âge. MDR, putain, il est trop con. Koro, c'est vraiment le meilleur, j'aime trop Koro. Koro, c'est vraiment le frérot, quoi. A chaque fois que je le vois en LAN, je suis trop content, genre. Genre, Koro, c'est vraiment le mec, tu vois, tu le vois en LAN et tout, tu tapes des mondes délire à lui, il est trop drôle. Après, il est un peu fou. Je pense qu'il a une légère forme d'autisme. Mais en soi, c'est un bon gars, hein. C'est justement parce qu'il a cette légère forme d'autisme qu'on l'aime bien. Koro bizarre. Légère, enfin, pour pas dire totalement atteint, hein. À chier, gros. Me chase jusque là pour mettre ça, c'était vraiment de la merde. En gros, il aurait dû abandonner le moment où j'ai reculé. C'était vraiment de la merde ce qu'il a fait. Sa présence se termine, moi j'ai ma dernière potion aussi. Une clé mise en Z. Okay, recule bien, pour l'instant c'est propre, c'est propre. Je vais passer level 3. Alors lui, il a laissé sa dernière potion, parfait. Super ward. Ok, donc là, il va perdre un peu de farm, c'est nickel. Le truc c'est que je peux pas lui faire perdre le gros. Si je pouvais lui faire perdre le gros, ça aurait été parfait. J'ai pas d'infos sur Xin pour l'instant. Donc là ça se trouve, il va débarquer sur ma gueule et je vais me faire déboîter la gueule. Ok, nickel. Ouais, bon bah du coup c'était mid. Il y avait pas des Trundles aussi. Ah, ils ont perdu. Ah oui, donc d'accord. Ok, ils ont perdu ça. Très bien. Ok, il faut qu'ils fassent la grotte tous les crits, c'est parfait. Tout simplement. Tout simplement. Donc là je vais mourir j'imagine du Xin. Faut que je push avant. Faut que je push avant, je m'en bats les couilles. Quitte à mourir, faut que je push avant. En gros j'ai fait en sorte qu'il prenne l'aggro des creeps parce qu'il m'a mis une auto-attaque. Sur GT sous tour, il m'a mis une auto-attaque, il peut prendre l'aggro de tous les creeps, il flash out parce qu'il est con. Et du coup à partir de là, enfin en vrai. C'est même pas qu'il est con. C'est dès le moment où il met l'auto-attaque, il est con. Parce qu'il met une auto-attaque quand je suis sous tour et qu'il a tous les creeps qui le tapent en même temps, c'est de la merde. Genre vraiment, c'est de la merde. Donc ouais, c'était pas fameux de sa part là. Et là, du coup, je vais pouvoir normalement snowball. Si je fais pas trop de la merde, je dois pouvoir le snowball. Vas-y, le problème c'est broken, Xin. Ça gank trop fort, Xin. C'est bon, laisse-moi juste, je viens. Je veux juste mettre une auto-attaque sur mon adversaire, tu vois. Histoire de faire preuve de gentillesse, de lui montrer que je suis là et tout, que je veux m'amuser avec lui. Et tout de suite, t'as Xin qui vient. Alors voilà, genre je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Là, j'étais mort. Là, j'étais mort. Ah, c'est chiant. Après, il est fed et tout, donc il a pas eu le temps de back pour l'instant. Il a juste free farm. Il va être big. Ce Xin va faire très 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 mal. Genre, il me fait extrêmement peur. Ils ont double flash. Non, non. Non, non, ils ont pas double flash. Je crois qu'il y a eu aucun flash, même, pour se dire. Et moi, je perds beaucoup en plus. Ah, c'est chiant. J'ai fait le con. J'aurais juste dû rester sous tour. J'aurais juste dû rester sous tour. J'aurais été bien.
J'ai fait le con. Tant pis. C'est level 6, faut que je passe level 6 en lui. Mais normalement je devrais passer level 6 en lui. Zin est là, ok. Il a quoi comme bot? Il a des bots, il a... Ah ouais, il a du stuff là. Il m'a fait pas une d'auto pour cette. Il a pas fait la même erreur. What? Un connard. Je hint. Je hint, c'est bon, j'ai plus envie de jouer. Je hint. Je cherche un animal. Oh, pas mal, nice ten. Est-ce que tu l'as? Tu l'as, tu l'as. Je hint, genre j'ai plus envie, genre c'est du free kill, genre je lui donne comme ça, genre je prends la tour et tout. Je voulais juste le poke comme ça et genre je hint. En plus, genre le matchup est trop facile, enfin une fois que je passe devant, le matchup est trop facile. Là j'ai juste à jouer tranquille, juste que j'ai pas envie de jouer tranquille, je me fais chier tu vois. Quand je suis sur ce compte, j'ai un élan de fougue qui réapparaît et je peux pas le contrôler, c'est impossible à contrôler. Genre c'est vraiment impossible hein. Genre des fois je peux pas. Je peux pas contrôler mon envie de all-in, tu vois. Il y a deux minutes, je devrais snowball si je fais pas de la merde. Ah, mais je sais très bien. Je sais très bien que je peux snowball facile, tu vois. Parce que en vrai, il est pas très fort. Mais juste que. Flemme, tu vois. Juste flemme. Après, ça c'est dans le sens, ça, tu vois. Quand tu grid, tu vois, tu perds des LP, mais au moins tu t'amuses. Donc, c'est le plus important. Oula, vous êtes mort. Ouais. Il est bien prise. Je suis sûr que je peux le tuer bientôt en plus, hein. Regardez, il a peur, genre. Il a Jax, je viens de lui donner. Enfin, il vient de prendre deux free kills et il a peur. Je ne comprends pas. Je pense que la confiance, cet homme, est faible. Il joue comme une petite poussie là. Viens là maintenant, viens le battre. Je vais retirer ça. Ouais. Non, là, il est bien. Là, c'est à moi de faire la poussine. Hein. Je vais mettre la potion. Hop. Là, il est effrayé. Hein. Avec toutes ces potions de corruption. Donc, il a plus de sustain. J'attends que la potion de corruption parte. Voilà, très bon trade. Il perd le creep canon, mais putain, mais il arrive à perdre le creep canon sur un truc où il a l'avantage. C'est fou. Il a la pression de lane et il arrive à ne pas prendre le canon. Si je l'avais loupé, j'aurais eu la fond, mais... Casse les couilles, Luxin! C'est quand que tu viens, Trundle? J'ai besoin de ton aide maintenant. Alors, toi, on va te baiser. On va te baiser. Il va flash. Un jeu à toi. Dommage. Oh, nice. Nice, nice. Allez, il a, il a. C'est bon. Oh, il y a peut-être moyen de le choper. Nice, c'est bon. C'est pas très bon. C'est bon, il a flash up, il a flash up. Non, non. Non. Laisse-moi push avant. Il méritait sa mort quand même, Luxin. Hein. Il méritait. Au bout d'un moment, il y en a marre, tu vois. Ok.
Ok, il le déboîte en 1v1. Au top, il va devoir back. Nice air. Oh là, si le trundle il vient, c'était tellement tricky. L'avantage, c'est vraiment qu'il est pas fou. Je lui ai donné beaucoup de kills, je lui ai donné beaucoup d'avance. Normalement, dans un match-up comme ça, avec Jax Fatsariven, à partir d'un certain stade, où tu prends 2 kills comme ça, gratuitement, oh, t'es free, mais genre t'es free. Genre le match-up est facile après, genre il est là, mais il est tranquille. Hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'il veut jamais se battre. Donc du coup, il se cache tout le temps. Mais au bout d'un moment, bah, moi, je viens de me battre. Même si, bon, j'ai eu que ma deuxième mort, c'était peut-être que j'avais trop envie de me battre. Là, ouais, enfin, faut que ça arrête, quoi. Ça suffit, monsieur. Ça suffit, monsieur. Le jeu qui est vraiment, vraiment incroyable. Ok, il me baise. Sur un long trade, il me baise là. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un peu attention quand même, parce qu'il fait mal, quoi. Fait un peu trop mal. Qui est mort? L'Airel est mort, ok. Il a brillance en plus, ouais, il a brillance stab ninja. C'est vraiment le build adapté au 1v1. Les dégâts qui collent. Il a plus. Il a plus de E. Ah bah, je suis mort. Hein. Allez, moi, let's go! Je ne suis pas mort en fait! On a forcé le bon focus. Y'a moins de bait. Moins de bait, je pense. Ah, je peux pas aller chercher plus loin que ça. Après, on a bien forcé le focus. Le Xing qui a voulu dive et qui finalement s'est pris un petit retour de bâton là-dessus. Ça fait plaisir, hein. Bon là, coupe non, ça doit aller. Allez, non, par contre. Je suis le hunter, hein. Bon bah, du coup, on va back, hein. Incroyable, incroyable. En fait, c'est prévu parce qu'en fait, sinon je pouvais pas acheter de pink. Donc là, maintenant j'ai une pink et j'ai mon coup près. Alors que si j'avais TP avec mon coup près, j'aurais pas eu de pink et je me serais fait gank et je serais mort. Parce que regardez là, on est dans le noir. On est totalement dans le noir. Donc c'est mon subconscient qui m'a dit non, tu ne dois pas TP maintenant, tu dois attendre. Oh, tellement smart. Je suis trop smart en fait, c'est ça le problème, c'est que mon cerveau il fait des trucs que je comprends qu'après. Genre tellement il est loin mon cerveau. Wouah, stylé. Tu vois maintenant j'ai une ward. Après genre je peux avancer si je veux et mettre ce que je veux. T'es mort. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça en fait. Et voilà, tu vois la pink ward ici, bim. Je sais s'il vient par là et c'est win. Du coup, comme ça, je meurs pas sur le prochain gank. Smart. C'est le problème d'avoir un cerveau qui est trop intelligent pour la raison. Ok, bon. Et tu vois là, on va l'attendre ici. Il va venir. Croyez-y. Croyez-le. Oh, il va pas venir. Il est là. Comment ça, il est là. Mets-lui un petit pilar. Mets-lui un petit pilar des familles là. Parfait, bloque-le. Nice. C'est bon. Voilà. Ok.
regarde, là on l'embride un peu. Là on force un flash, c'est parfait. C'est parfait mécaniquement. Ouais, bon. C'est un peu lagué, c'était presque parfait mécaniquement. Ok, bien joué. Mais tu vois, ça permet derrière à ma team de prendre la tour au mid. Encore une fois, un move qui est worse. Aïe 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 aïe. C'était parfait. Mais vraiment parfait. On pouvait pas mieux jouer. On ne pouvait pas mieux jouer. Toujours worse, hein. Putain de merde. Incroyable. Et tu vois, ils ont pas le temps de prendre la tour au top. Ils ont pas le temps de prendre la tour au top. On prend la tour au mid. On reset nos potentiels bounty parce qu'en gros là si on prend un kill de plus. Donc là imaginons, le 32 était à 3-1, une elfe prend 2 kills de suite. S'il prenait un autre kill, il se retrouvait à donner 500 gold à l'équipe adverse. Il a préféré donner 300. Voilà, exactement pareil pour moi. Exactement pareil pour moi. Donc voilà, GG. On évite 2 bounty grâce à cette double mort. Tu vois, ça c'est comment jouer en patch 8.11. Il faut mourir. C'est grave quand même que j'arrive toujours à trouver des trucs hein. C'est cool. Je suis vraiment le boss des excuses. Regarde, là on va les voir. Non, ils ont la vision là. Ok. Peut-être reculer alors s'ils ont la vision. Nous allons peut-être faire une marche arrière. Ok, Jack c'est là. On a de la vision là, il faut qu'on arrive à la tuer là. La petite Kaisa là, faut qu'on la tue. Il faut la battre. Il a vraiment go en fait. On a vraiment rien à foutre hein, le Jack. J'ai pas ma TP encore. J'ai pas ma TP encore. Et le LCR est en train d'arriver. Ok, bon, bon ça va. Moi je full push hein, y'a pas de soucis hein. Attends, tu veux vraiment rester là? Bah, en fait, si tu restes là, mais que tu ne défends pas, ça sert à rien que tu restes là. Faut que tu ailles ailleurs. Enfin, je sais pas. Ça me semble logique. Je sais pas, elle m'a regardé. Genre, elle me regarde, genre. Pourquoi elle est pas partie chercher un peu de farm avant de revenir défendre au bot? Tu vois, ça aurait été un petit peu d'optimisation. Regarde, je savais pas. Ok, let's go, let's go. Oh, bien joué, Irelia, elle a outplay le Jax. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais en même temps, elle l'a tué, donc bien joué à elle. Ah non, il y a trop de gens là. Il y a trop de gens là, il y a toute la famille. Donc on a pris la T2, on a pris 2 T2, on est plutôt bien. J'ai 2100 gold, faudrait peut-être que je change à back avant. Ok. Oh, what? Ceci n'était pas prévu. Ah si, mais si, c'était prévu en fait. Encore une fois, c'est mon cerveau qui voit trop loin, mais encore une fois! Encore une fois, c'est un bait qui est prévu à l'avance! Juste que mon cerveau me dit, il faut que tu le fasses! Non, mais. C'est trop chiant en fait. Genre, c'est trop chiant d'avoir 1 million de QI. C'est abusé, c'est abusé. C'est abusé, c'est trop chiant. Genre, c'est à dire que je fais des trucs, je me dis, c'est pas bon, mais mon cerveau me dit, fais-le. Est-ce que c'est worse? Oh là là, incroyable! Nice ward. Ah
pas trop d'infos là. Ah salut. Ah putain. Non, vas-y, c'est bon, c'est cheaté Xin. C'est cheaté. Je hine tellement, c'est trop bien de jouer des games comme ça. Genre je fais que de la merde et ma team me porte genre comme ça, genre sur son dos. Après, encore une fois c'est worse parce que Xin sans son flash ne pourra jamais aller chercher le Varus qui est à 6-0-2. Et vu que c'est la menace majeure, il faut le peel. Donc moi que je meurs maintenant c'est pas grave. Mais que le Varus meurt sur un teamfight peut nous faire perdre la game. Et ouais les gars. Et ouais les gars. Le douilleur. Le douilleur. Et grâce à ça, grâce au fait que le Xin met flash la gueule et se soit dit, bah la team est pas là dessus, c'est bon, ils font jamais ça, ils ont juste voulu reset. Parce qu'ils m'ont vu reset au niveau du blue buff. Du coup, ils se sont dit, jamais ils nous ont fait un lâcheur, et bim! C'est un coin de lâcheur. Magnifique, 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 c'est le futur, le gameplay avancé, le cerveau supérieur, on peut le dire, le cerveau supérieur. Oh putain. Allez, let's go. Je joue trop avec Narcus, ouais, c'est ça le problème, je pense. Je pense que c'est ça le problème majeur aussi. C'est que je joue trop avec Narcus. Oh non, vas-y, c'est bon. J'rate le gros. Ouais, pour faire du beau jeu. Il a la flash aussi, c'est pas grave. Reviens là! Un double kill récupéré facilement. Ah, mais non! Ah, mais d'accord! Ah, bah voilà. Un 3v3 et un 2v2, c'est plutôt bien passé. Une game largement méritée. Où nous avons réussi à carry grâce à notre cerveau supérieur qui nous a bait dans des moves qui en fait n'étaient pas vraiment des baits. Parce que c'était prévu pour nous enchaîner sur un autre move. C'est facile, hein? Trop facile le jeu, c'est grave. C'est grave comme c'est facile. Donc je vais honore Morgue parce que voilà, on honore pas assez les supports. Et GG. Donc voilà, gagné facilement, simplement, tout simplement grâce à mon QI supérieur. Sur ce, je vous laisse maintenant avec une courte page de pub. Je crois que Wax est déjà présent. Donc ouais, Wax est déjà présent. Donc je vais vous laisser avec une courte page de pub et on se retrouve du coup ce soir à 20h pour du Trackmania avec ceux qui veulent. Non, il y aura Narcus, il y aura Tio, il y aura moi, il y aura Kenny qui sera là pour nous aider. Et ce serait bien qu'il y en ait deux autres qui veulent qui jouent avec nous pour faire un peu les cons et s'amuser sur des maps random. Donc courte page de pub et juste après, ça va être cette Waxou. Allez, bisous.